Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien à la radio de 7FM, 100.7. En ce moment, je suis avec le rappeur international français, Bastien Durand, qui a sorti dernièrement son dernier album, God of War. Et justement, monsieur Bastien Durand, je vois que cet album est plein de violence. Et envers qui est dirigé cette violence? Expliquez-moi. Bah, tu vois, je commence. Moi, je suis un mec qui nique le système, tu vois. Alors, prie-moi, la Sarkozy, Hollande, je m'en bats les couilles, tu vois. Moi, je suis un mec, je mets du vrai dans mon rap. Moi, je m'en pas, là. Moi, je peux me péder, moi, tu vois. Parce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr, monsieur Durand. Et c'est pour savoir pourquoi ce nom God of War, justement. Expliquez-moi. Parce que moi, je me considère un peu comme le roi du rap, tu vois. Tu vois, moi, je suis un mec. Je suis du rap game, moi je suis un mec qui suis dans le timing, tu vois. Moi, rock, Booba, c'est des PD, tu vois. Moi, je m'appelle B2A, B2A, c'est pas pour rien. Oh, Enzo, passe-moi mon verre. Excusez-moi. Ouais, c'est la Projo qui veut son verre, comme d'hab. Ouais, je paye le verre, c'est normal, c'est. Et justement, suivi un peu ce feuilleton entre vous, la guerre du rap. Guerre des étoiles, guerre des étoiles. Moi, j'aime bien ce film. Non, votre gueule, s'il vous plaît. Bon. Ce feuilleton. Fin de ta gueule, déjà d'entrée. Excusez-moi, monsieur, mais juste pour savoir, les insultes que Rob vous a exposées sur YouTube, justement, sur son nouveau clip Durand PD, qui est explicite, justement, pouvez-vous nous expliquer. Non, mais durant ce temps, il s'est passé quelque chose quand même. Vous pouvez même faire votre cam, vous êtes filmé juste. Ta gueule d'entrée, bah, c'est bon, je suis carrément caméraman, mais j'ai le droit de faire des blagues. Oh, c'est bon. Oui. Donc voilà. Pourquoi cette guerre justement du rap? Moi, le rap, c'est pas entre les frères du ghetto et tout. Non, explique-moi, monsieur Durand, ce feuilleton Booba, Rob Durand, justement. Tu vois, moi, je mange d'entrée, je te le dis cash, tu vois. Rob, c'est un PD. C'est un mec qui vient de France, et c'est un PD. Moi, je viens du Maghreb. Moi, je nique le système, tu vois. Moi, je viens du Maghreb, j'habite à Alger, je m'en bats les couilles de tout. Lui, là, c'est un PD, il fait du rap de PD, moi, je suis du rap conscient. Moi, mon CD, il vaut pas cher, il vaut 150 euros. Lui, son CD, il vaut quoi, 20 euros? C'est un truc de PD. Moi, c'est un truc, tu l'écoutes, tu kiffes, après, t'as un truc en gros à l'entrée. Lui, c'est un truc de bisounours, tu vois. Et moi, je peux être de PD, tu vois, je te dis direct. Moi, j'aurais une question. Qu'est-ce que t'arrives, toi? Bah, c'était pour savoir, est-ce que ça vous arrive souvent de draguer en boîte? Parce qu'en fait, moi j'ai des problèmes en ce moment, j'arrive pas à draguer en rappant, vous savez. J'arrive, c'est une table privée, s'il vous plaît. Non, mais si vous. Là, votre gueule. J'aimerais savoir ce qu'il dit. Parce que moi j'arrive à la femme, je fais, c'est une sale pute. Ouais, moi je suis un mec, tu vois. Vous êtes un arabe, mais c'est pas. Non, mais s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, c'est une question sérieuse. Moi j'arrive à la femme. En boîte. En boîte, j'arrive pas à draguer. En boîte, j'arrive, je fais, vous êtes une sale pute, elle veut pas coucher avec moi, je comprends pas. Moi j'ai l'oseille, tu vois. Moi j'ai les sous, j'ai les bouteilles, et j'ai même un coup de pite, tu vois. Et c'est pas content, mais je la viole. Vous lui dites quoi? Vous la violez direct? Ah, c'est ça que je dois faire la dernière fois. Mademoiselle, t'es charmante, tu vois. Je paye un verre et tout. Après, j'amène chez moi, je la ken, tu vois. Et si elle est pas contente, qu'elle ferme sa gueule. Parce que moi, je suis pas d'esclave, moi, je peux me péder, moi, je la nique, qu'elle ferme sa gueule, tu vois. Voilà, c'était juste ce que je demandais. Merci de m'avoir répondu. C'est bon, merci. Merci, monsieur Durand. Bon, alors. Justement, l'image dans ce clip, que veut dire entre un type assez corpulent, assez musclé, qui chope un soldat. Moi, je pense que le soldat, c'est la représentation de la police. Non, ta gueule. Soldat, ou de la femme. Le soldat, c'est Rof, ce fils de pute, tu vois, là. Au plein mal, et tu vois, moi, je le nique. Moi, je suis un mec, je suis super à tout le monde. Allez, vous me cassez les couilles dans une interview. Allez, moi, je me casse. Vous êtes tous en train de faire un cul et tout. Moi, je me casse. Le micro,